Petite découverte en fufu de Chivalry 2. J'avais un peu louché sur ce jeu il y a quelques temps. Du coup, totale découverte. On va se faire le tutoriel, il n'y a même pas de configuration, rien. On va voir ce que ça donne. Sans même toucher aux paramètres graphiques. Oh great, they sent me another future corpse to train. On saute dans le vif du sujet, quoi. You there, can you see alright? I can see alright. I can. Appuyez sur P pour. Oh, on peut se switcher de la vue. Okay. Never know with peasants. Bah, je peux lire. Oui. F1 pour afficher les commandes. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 pour switcher d'armes ZQSD. Oh putain, ils sont en QWERTY. Donc ok, coup spécial c'est A, E, utiliser, coup sec. Genre coup rapide. Dans genre, R. Coup de pied, F, lancer. Lancer quoi, genre lancer un javelot. Peut-être d'autres trucs. G, ok. Les emotes, ok, cri de guerre, C. V pour annuler, sprint shift, jusqu'ici tout va bien, contrôle pour s'accroupir. Ok, attaque alternative. What the fuck is that? Attaque horizontale, bloquer, brandir, le bouton central de la souris, brandir. Attaque horizontale, alternative. Alright. Attaque verticale, alternative. Ok. Menu, suicide, équipement, L. Il y a une gestion d'équipement. Ok. Right. Well then, pick up that sword and let's learn the basics. Faut que je passe en QWERTY. Ok, ramasser l'épée avec E. It's great against multiple opponents and it's easy to land. Je suis obligé de passer dans les, les paramètres graphiques parce qu'il y a un truc. Il y a un truc qui va pas. Mise à l'échelle, on est à 50%. Non, mets-toi à 100%. 100% épique, anti-crénelage. Vas-y, on va mettre faible. On n'a pas besoin de beaucoup d'anti-crénelage en 4K. Mode écran, ok. Résolution du bureau, du coup, on est en 3840 par 2160. Limite de la vitesse d'affichage, aucune limite. Ça sert à rien d'aller au-dessus de 60 images par seconde. What the fuck, on peut monter à 240, mais quel est l'intérêt? 60 la limite. Ok. Ok, c'est soit aucune limite, soit 60 quoi. 61 je veux dire. Non, tu ne peux pas limiter en dessous de 61 FPS. Ce n'est pas possible. Ok, intensité du flux dynamique et cinétique. Je veux pas de flou moi. Gamma, on n'a aucun moyen de... Ok, il n'y a aucun graphique qui permet de... gérer le gamma. Utiliser DirectX 12 nécessite de relancer le jeu. Ok, activer, on va... Oui, on va utiliser DirectX 12. Pourquoi nous n'utiliserions pas DirectX 12? Mais il faut relancer le jeu. Eh bien, nous allons relancer le jeu. Déconnecter, confirmer. Relance-moi ce putain de jeu! Ok, quitté. Confirmé. Il se lance assez rapidement, cela dit, donc... Yep. On aurait pas posé de problème. Uniquement disponible sur Epic, l'Epic Store. Pas de disponibilité à l'heure actuelle sur Steam. Alors qu'il avait été annoncé, en grande pompe il y a quelques temps pour la bêta via une news Steam. Mais comme Epic Game Store offre des avantages non négligeables concernant le lancement de certains jeux, c'est un peu logique qu'ils aient lancé sur Epic. Alright. Entraînement hors ligne. Allez, entraînement. Nom de la carte.
Putain, attends, il me lance plus le truc, quoi. Jouer, si je fais jouer mode mixte. Mode mixte 40 joueurs ou 64 joueurs, chacun pour soi, rechercher les... faire le tutoriel, c'était ça. Je veux commencer par le tutoriel, moi. Je veux apprendre les bases. Je veux pas me lancer en multi sans avoir compris les bases du combat. They sent me another future corpse to train. You there? Can you see all right? Can you read instructions? Never know with. Right. Well then, pick up that sword and let's learn the basics. Slash is great against multiple opponents and is easy to land. Overhead deals for not like that. Vertical, attaque verticale, c'est comme ça. Ça c'est contre. Molette bas pour attaque verticale. Mais c'est une blague. Molette bas. Attaque secondaire. Oh. Ah, tu peux pas changer d'arme avec la molette. Chain your attacks in a combo to overwhelm your opponent. Ok, appuyez trois fois sur attaque horizontale pour effectuer un combo. Good. This time, mix up your strikes. Et c'est lent. Ok, attaque horizontale, molette bas, molette haut. C'est quoi ces touches? Attaque, molette bas, molette haut. Ok, molette bas, molette haut. Et c'est quoi ce truc? D'où on effectue des attaques avec la molette? Ça, j'ai jamais vu ça, quoi. Trop tard! Ok, je vais essayer un truc. Ça. You know what a swing is? Let's crunch out some more of these logs. Okay, these logs faire attention could kill you. The players retain control of their aim during attacks. So, adjusting a weapon's path mid-swing is essential to learn. Détruisez chaque lot de rondins avec une seule attaque. Ok, imaginez que votre souris ou votre stick analogique droit représente vos hanches et tournez-vous pendant votre attaque. What? Imaginez que votre souris ou votre stick analogique droit représente vos hanches. Donc ma souris représente mes hanches. Et tournez-vous pendant votre attaque. Attends, du coup. Y a un autre problème. Sensibilité de la souris. On va passer à... On va doubler minimum. Minimum. Ouf. Peut-être même un peu plus, ouais. C'est à 6. C'est déjà un peu mieux. Et c'est pas suffisant. Ok, donc je donne un coup et je... Excellent. Wow. Ok, et là ça va être attaque verticale. Donc je fais... Et hop là. That's it. Ok. And this one with one star. Bah ça va être la même chose là. Molette... Ah non, molette haut. Remember, try to kill them with your weapon, not your eyes. Comment je fais pour te contrer? Ok, clic droit pour contrer. Ok. The first player to land a hit will interrupt their opponent's attack. So turn glissement to land your strike as fast as possible. Alors tournez-vous pour asséner votre coup le plus vite possible. Le premier joueur à asséner un coup interrompt l'attaque de son adversaire. Alors tournez-vous pour asséner un coup le plus vite possible. Asséner un coup avant d'en prendre un. Commencez à tourner dès que vous lancez votre attaque. Essayez de toucher votre adversaire au bord de votre écran. Alright, now turn into your strikes. The last time as early as possible. You'll never beat your opponent to the punch swinging like that. Ok, il me faut un peu plus de place. Si du coup, faut se lancer dans des glissements impromptus comme ça. What the fuck? You'll never beat your opponent to the punch swinging like that. Guy, you... Tournez vers la gauche.
Pendant le coup. En fait, faut que je garde le bouton de la souris. Non, parce que si. Attends. Attaboy. J'en ai fait un. Round both of your hits of your combo before taking a hit. Le second coup d'un combo arrive depuis l'autre côté. Alors tournez-vous de l'autre côté après chaque coup pour asséner vos combos le plus vite possible. No, show me you've learned something. Combine dragging and comboing to cut the foe down. Each time you strike. Ah vache, comment c'est hard. C'est ultra spé comme attaque. Each time you strike. What the fuck? Ok. Dans le côté gauche, j'y arrive. Mais pas tout le temps. Each time you strike. Seulement sur, si je clique l'attaque, ça va passer vite. Donc, je clique. C'est quoi ce truc? Each time you strike. Ow. You strike. Ow. Huh. Faut que je fasse. It's time you strike. At least now you can't say we never told you how to fight. Some enemies are cowards and they try to defend themselves. Let's look, you've got là, two options with a turtle. Go around J'ai the block blocages. Or go through it. Perform a combo after being blocked. Okay, combo j'arrive à faire un combo après avoir bloqué ses attaques. Slower, but drains our stamina quickly. La stamina elle est où? En fait. Effectuez un combo à travers le blocage de votre adversaire. Ah non, je dois pas bloquer ses attaques. Okay. How do you manage to screw that up? Ok, attends. Attaque horizontale. Attaque horizontale. Attaque horizontale. Good one. Blocks okay. Can be held, but quickly drain stamina. Our defending player is disarmed when they run out of stamina. Ok, réalisez une attaque lourde de chaque type, puis réalisez des attaques spéciales. Ces deux types d'attaques consumeront l'endurance de votre adversaire très rapidement. Effectuez les attaques lourdes et spéciales pour écraser une défense prévisible. Attack, deal more damage and help beat down an opponent's no. You've not learned a thing. Holding block drains the stamina and will eventually lead to a disarm. Molette bas plus. Good. Non, mais les enchaînements. Heavy stab. Like I said, future corpse. Non mais défendre, c'est pas clic gauche. God. Ah c'était une fin de ça. Smash his stamina down with the mighty special attack. Ouh, c'est puissant. Ah. Nice. Kick to stun a blocking opponent and then immediately follow up with a strike. Coup de pied. Ok, ça étourdit l'adversaire. Ok, ça va être quelque chose. Not right. Ok.
Et on enchaîne avec coup horizontal. Ok. Coup de pied, coup horizontal. Coup de pied, coup horizontal. Oh putain, on l'a décapité, merde. C'était pas un entraînement ? My defending opponent can only block strikes in front of them. So try to use movement and drugs to hit them behind the ears as a way of slipping past their defense. Donc il faut apprendre à se positionner et jusqu'où vous tournez pour passer outre un blocage. No, step to the side and land a strike around the opponent's block. Ok. Good job. Hit your enemy by starting an attack, then immediately switch to a different attack. Ah mais le gars comment il gueule. Cette fois votre adversaire tentera de contrer votre première attaque, feintez pour le déstabiliser. Throw off your opponent's timing with a... Ah ouais le bâtard. That's how it's done. No, mais les gars, personally, I don't believe in it, but they tell me we have to teach you. C'était un entraînement, mais les gars, ils sont morts. Maintenant, vous allez apprendre comment vous défendre personnellement. Je n'aime pas ça, mais on m'a dit de vous l'enseigner. Block your opponent's attacks. Ok, tournez, visez la pointe de l'arme de votre adversaire avec votre réticule you pour la bloquer. Block, which rapidly drains stamina and leave you vulnerable to a disarm. So try to time it. Ok, effectivement, même quand on ne reçoit pas de coups, l'endurance se consume très rapidement. Ok, le blocage est plutôt simple. Il se peut que votre adversaire utilise des attaques spéciales. Utilisez bien les dérobades. C'est un mot ça, c'est vraiment un mot ça. Car ces attaques vous font perdre de l'endurance et ne peuvent être contrées. Des dérobades. And sometimes you just gotta get out of his way. Let's practice dashing. Ok, donc hop, pareil, passe. Alright. Ça consomme beaucoup de l'endurance, ça. Attends, je peux le prendre aussi de l'autre côté. Ok, d'accord. C'est genre une putain d'esquive, quoi. After a successful block, there is a half second window to attack and perform a riposte. Ok. Attack after successfully blocking to riposte. A riposte is a faster attack that also blocks all incoming strikes for a time. C'est pas la peine de crier. Donc ok, si on bloque au bon moment, on a la possibilité de faire une attaque. Au bon moment, voilà. At least now you won't die instantaneously on the battlefield. Attacking nice. From block enables a short counter window that will deflect incoming strikes of the same strike type. Counters act as a perfect parry and avoid the stamina loss for knockback effects of normal blocks. Attack from block before impact with a marching strike type to counter. Counters negate the stamina and knockback effects of blocking. Ouais, c'est exactement la même chose là. Ouais, faut vraiment le faire au bon moment. Adaptez-vous au type de... Mais comment je m'adapte? Ah, parce que là on le défonce, hein! Mais. Oui, trop tard! Attaquer depuis une position de blocage avant l'impact, avec un type de coup correspondant pour contrer les contres neutralisant l'endurance et retourne les effets du blocage. Ok, d'accord.
Mais à quel moment ils veulent que je parte en fait? J'ai réussi à faire un. Ok, d'accord. Faut enchaîner les deux en fait. Attends. Interrompu ? Putain, faut que je fasse molette haut en fait, je faisais bien faire molette bas. Remember the basic flow. If you get hit or blocked, defend yourself. If you land a hit or block, attack. Start your swing early enough to hit your opponent before getting hit. It takes some time to swing a giant hunk of metal. Let's practice our timing. Start your attack earlier than you think to maximize your reach. Try to get in range, okay. Just as your swing is doing damage. That's it. C'est violent. Distance and timing is violent. Kick. Now, let's see if you tête. Can recover from On peut ramasser la tête? Sérieusement? Ok. Qu'est-ce que j'en fais? J'en fais quoi de la tête? J'en fais quoi de la tête? When you take a hit, your opponent has the timing advantage. There are few options to try and reset, but normal attacks are not one of them. Ok. Réaliser toutes les méthodes de relancement et d'initiative après avoir pris un coup. Effectuer un coup sec. Un blocage ou une dérobade après avoir pris un coup pour regarder l'initiative. Pour regagner l'initiative. Okay. A fast jab can interrupt your opponent's combo. Et je peux lui mettre une petite tête là. J'avais une tête dans les mains. Oh. Ah oui, je peux lui mettre un coup de tête. Get your defense up quickly after taking a hit. Attends, je bloque avec quoi là? Avec ça? Prenez un coup, c'est un blocage pour récupérer. Ok, d'accord. Attends, je bloque avec quoi? Je peux lâcher que ma tête dans les mains. Tu veux que je bloque avec quoi? Putain, il fait pas peur, hein? Prenez un coup, puis faites un blocage pour récupérer. Je prends un coup, je fais un blocage. Et je fais un blocage. What the fuck? Je pense qu'il fallait pas que je prenne la tête parce que. Attends, mec, j'ai la tête d'un gars que je viens de décapiter là dans la main. C'est peut-être ça qui me pose problème. Attends. Vous pouvez pas. Je suis censé faire quoi? Alors ce genre de tuto. Parce que je prends un coup. Je fais un blocage. C'est pas ce qu'il faut faire. Je fais un blocage, c'est pas ce qu'il faut faire. Je prends un coup. Je fais un blocage, c'est pas ce qu'il faut faire. Même si se rétablir
Si je me mets en position de blocage. Attends, mais. Comment? Comment je suis censé me rétablir là? J'ai pas compris là. Each subclass has unique special items, which charge over time and perform specific actions unique to each class. Les pots d'huile provoquent des dégâts sur une grande zone et pendant une certaine durée d'impact, ce qui les rend très utiles pour diviser les groupes. All that action has got me fired up. Ok, use coup spécial 4. Pour lancer G. Ok, j'ai un peu foiré. Not happening. Ok. Oh, c'est one shot avec ça? Oh, use your bandage to heal up. Avec quoi? Avec 5? Good as new. Attends, mais du coup, je... You'll be good at taking a beat. Go on to the final challenge. Je suis censé me rétablir en me protégeant, mais ça rétablit que dalle. He's throwing stuff. You can block thrown projectiles, but not those shot by a bow. Ok. Let's give some back to him. You can throw everything you have. C'est assez violent. Role-playing is a major part of the game experience. Use all tabs of the VL wheel to ensure you are prepared to defend your honor. Comment ça? Le jeu de rôle est une partie importante du jeu. Utilisez toutes les emotes de la roue des répliques afin d'être fin prêt à défendre votre honneur. What? Poussez votre cri de guerre et utilisez une emote de la roue des répliques. Insultez votre adversaire et embrouillez-lui l'esprit avec une agression verbale. They say the metal side is half for fighting. Il est où? Il y a personne en face là. Argin is the rightful king. No wait, is it? What is even happening? On peut personnaliser? Oui, non, rire. Ok, remerciement. Ok. He would make a wonderful field commander, but you probably hear that from all the squires. Oops. There's always some sense to friends, right? Time to learn how to fight. Fighting outnumbered is challenging, so let's learn about how you can use actions to defend yourself. Autant le système de combat de Kingdom Come Deliverance est quand même assez difficile. Là, c'est pas que c'est complètement différent encore une fois et c'est assez compliqué quoi de prime abord et pas forcément super bien expliqué je trouve. Se battre en infériorité numérique est un défi. Voyons quelles actions vous pouvez utiliser après avoir frappé pour vous défendre. Asséner un coup vous permet immédiatement effectuer un blocage ou une dérobade. Ok. Asséner un coup à l'adversaire de droite. Puis effectuez immédiatement un blocage ou une dérobade afin de vous défendre contre une attaque de l'adversaire de gauche. Bon, ça devrait bah, il attaque pas le gars là aussi. Voilà. Oh, c'est les ficelles. Enfin, je fais le tuto. À la souris, c'est super chelou. Tu joues sur console. Donc du coup, frappez l'adversaire de droite, puis dérobez-vous pour éviter un coup venant de la gauche. Donc molette. Là, et hop. Ok. Non, c'est molette bas. Non. Molette bas. Get blocked, then defend with block and dash once each. Ah vache, les enchaînements de merde. Faites-vous bloquer puis défendez en effectuant un blocage et une dérobase. Une dérobade. If you get blocked, defend yourself immediately.
En fait, c'est la première fois que j'utilise. En fait, les coups verticaux et au bas, c'est avec la molette. C'est super chelou. Donc, pour faire un coup au vertical, tu vas avec la molette vers le haut. Pour faire un coup vers le bas, tu fais un coup de molette vers le bas. Et du coup, tu dois enchaîner des coups de molette, clic gauche, clic droit. C'est c'est vraiment super zarbe. Attacking from a successful block allows you to block all incoming strikes for a time, which means you are safe to attack after blocking, even when outnumbered. Donc bloquez le premier coup, puis attaquez immédiatement l'attaque de votre adversaire de gauche pour activer la riposte. Ok, d'accord. Remember, a successful riposte allows you to block incoming strikes for a time. Time to see what you've learned, chap. Move to the center of the ring. For the team and the angry cat-like thingy. T'as un peu une voix de pucelle, là, hein. Putain, notre chevalier, là, il crie comme un castrat. Agatha! Attends, il vient de crier Agatha, là, j'ai pas arrivé. For that guy we like! This is my first day! Je vais aller sur le champ de bataille avec lui, là. Go, blue team! Comme blue team, c'est get ça qu'il vient de dire? Before they kill me! I'm trying to sound intimidating! Mais putain, je comprends rien de ce que tu dis! I saw myself and nobody cares! Nobody cares? There with the order! Oh mon dieu! Poussez un cri de guerre au milieu de l'arène pour commencer le combat final! Au milieu de l'arène, faut que je me mette là! Ok, ça c'est un coup de pied! Go, blue team! Ok, faut que je le défonce, faut que je le défonce là, je vais mourir! Oh putain! Ok, ça peut être très très fun. Ça peut être très très fun. La musique là. Putain, j'en veux encore. Je veux me taper. Je me tape qui là? Qui Pourquoi le gars qui nous explique le tutoriel, il a l'air vénère comme ça là? Alors, parce que d'une, il fait peur. Et de deux, je comprends rien de ce qu'il dit parce qu'il est vénère comme un putois. C'est quoi son problème? Parce que du coup, j'ai rien compris. C'est quoi la différence entre l'équipe d'Agatha et l'équipe de Mason? En fait, c'est juste l'équipe rouge et l'équipe bleue, quoi. L'équipe rouge a l'air plus tocose que l'équipe bleue. Mais au fait, t'as aucune indication, quoi. Mais vraiment aucune indication. Je vais prendre l'équipe rouge. Red and black. Red for the blood that runs in our veins. Black for the shadow that yet remains. After King Argon and his foolish righteousness led us to slaughter in the Crusades. General Malric vowed to seize power and rid the land of weakness brought by birthright and blind loyalty. Since Malric's victory, the Iron Fist has hammered this land. Strong men like good steel
are forged in the fires of hardship. Now the Lion of Agatha returns. How pathetic its last gasp comes as a mere whimper. May the slaughter make us stronger. For the Order! For the Red and Black! No fought for your king in the Battle of Wardenglade! Oh my fucking god, il est irlandais le gars quoi, c'est pas possible. So British, l'accent il est à couper au couteau quoi, comment tu veux qu'on comprenne quoi que ce soit. Il faut 48 jours pour commencer plutôt. C'est des maps de 48. It was your cattle who once grazed here in the bosom of this beautiful valley. It was those bastards over there who took them from you. See how the masons have grown fat on our lord. Reclaim these fields for Agatha. Il n'y a aucun sous-titre là-dessus. Il n'y a aucun sous-titre. Non, oui, c'est ça. Le lissage, c'est la synchronisation verticale. En fait. Non, t'as aucun moyen de... d'afficher un sous-titre quelconque, quoi. Avec leur accent, c'est un peu compliqué. So, let's go! Ok, je contrôle pas mon run, là, pourquoi? Attends, j'ai choisi rouge, mais je suis bleu? What the fuck? Oh, excuse-moi. Je suis désolé, je t'ai tapé. Ils sont où, les rouges? Putain, les a défoncés. J'aime pas cette arme là, moi je veux pas, enfin je suis plus épais que, je sais même pas ce que c'est ça, c'est pas une hallebarde. Oh putain, il y a plein de rouges là. Ah, putain. Ok, et je peux choisir ma classe là. Ok. Principal, secondaire, couteau. Ok, et je peux pas choisir. Si, archer, avant-garde, fantassin, chevalier. Je vais être chevalier. Vas-y. Ok, respawn dans. Ranimer des coéquipiers à terre pour recevoir des récompenses d'AV pour renforcer vos rangs après un affrontement. Comment je réanime des coéquipiers à terre, moi? On peut pas réanimer tout le monde, j'imagine. Je lui ai coupé la tête. Oh putain, il m'a fait mal. Ok. Zen. On se calme, le gars. Oh la vache. Eh les gars. La vache. Yo, Jedo. Comment va? They have only 30 troops left. Je viens de me faire défoncer. Mais méchamment. Ok, il n'y a plus rouge là. Comment je fais pour respawn. Enfin, res, mais. Ah oui, c'est vrai que vous aviez le resto. C'était comment? Du coup, j'ai. J'ai pas. Comment je. Ah oui, je dois avoir une autre arme. Normalement, c'est quoi mon arme secondaire? C'est une petite épée, ok, d'accord. Du coup. Ok. Au final, j'ai mon cousin et sa copine qui sont passés et on a commandé des pizzas et j'ai stream super tard. J'ai commencé il y a une demi-heure. C'était pas du tout prévu et ils m'ont ramené un truc pour samedi.
Vas-y, viens, 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 viens. Lâche mon pote. Lâche mon pote. Oh putain, j'ai niqué mon pote. Oh, j'ai défoncé mon pote. Je suis désolé. Oh putain. Eh, mais on peut décapiter nos potes, quoi. Bah du coup, enfin, ils ont débarqué, il était 19h30, hein. Ils ont débarqué à la maison, ouais, 19h30, donc j'imagine. C'était pas du tout prévu, quoi. Il m'a appelé, il était 6h, il m'a dit, ouais. Ouh là là, je suis désolé. Il m'a dit, si je peux débarquer dans une demi-heure, j'ai fait, ouais. Puis il a dit, ils ont débarqué. Extérieur à nos gens, raviole. Entrecôte, deux bouteilles de pinard, apéro et Dijon. Ouf. Je me suis demandé, c'était pour ton anniv? T'as organisé ça pour ton anniv? Et t'as pas osé me le dire, en fait. J'y ai pensé après coup. Parce que pour que t'organises... Non, pas du tout. Ok, d'accord. Ok. Je me le dirai, hein. Dîner entre coups juste, ok. Vas-y, mode mixte, 40 personnes. On va voir un peu ce que ça donne. À mon avis, je vais me faire déchiqueter, mais c'est pas grave. Ah putain, t'as un level global et tout, quoi. The Battle of Wardenclay. Les armées de l'ordre de Mason et les chevaliers d'Agatha, mais putain, mais laissez le temps aux gens de lire. On n'a pas le temps de lire. Oh putain, mais c'est des grosses batailles, quoi. 24 contre 24. C'est du grand n'importe quoi, en fait. Ok, là, je suis côté rouge. Ok. I cannot. Donc en fait, on a une, deux, trois épées. Non, on a une grosse épée, une petite épée. Oh putain, il m'a fait flipper, lui. Et on a des couteaux de lancer, en fait, avec le chevalier. Je crois que c'est ça, le truc. Putain, mais faut avoir les yeux partout, quoi. Tout le monde parle de n'importe où, quoi. Ouh la vache. En fait, c'est du combat médiéval, mais... What the fuck? Mais le gars, mais c'est qui? Lui, c'est un bourge. T'as vu comment il maîtrise son épée, là? Il se prend trop pour Raphaël dans Soul Calibur. Mais viens là. Allez, hop! Je t'ai calmé direct. Bim! Oh putain, lui... Eh hey, mais les gars, hey, wesh les gars, vous mettez au calme. Ouais, je pouvais rien faire là. J'ai vu un jeu, je suis sûr qu'il pourrait te plaire. Siège Survival Gloria Victis. C'est un MMORPG sandbox Gloria Victis. Si je ne m'abuse. On va essayer l'archer. Archer long. Voir un peu ce que ça donne. Tu parles du MMORPG, en fait, tu parles de Gloria Victis, ça a l'air super chiant comme thème. En fait, j'ai failli le tester déjà. Il a l'air stylé. Oh putain, c'est chelou le... Ah, j'ai même pas besoin d'appuyer sur... Sur le clic gauche, quoi. J'ai juste besoin de bander et de relâcher. Je bande et je relâche. Je bande et je relâche. Voilà. Tu vois? Je bande et je relâche. Putain, hé! Hey, franchement, c'est assez fluide. Hé! Hey, oh! Putain, vache! Ah, c'était fluide, ça aussi. De quoi, Gloria Victis ou l'archer dans
dans ce jeu. Only 20 Mason troops remain. Oh putain, il a l'arbalète lui, il a l'arbalète. Il a l'arbalète lui. Oh putain. Ouais. Ah ouais, mais avec une hache. Non, j'espère que c'est pas moi qui te rappelle ton ex quoi, parce que putain. Manger ce soir. Beaucoup trop mangé. What the fuck? Eh mais les gars, mais je les vois même pas arriver quoi. Elles avaient moins de barbe. Oh ça va, c'est pas trop long là. Oh, putain. Bon, on s'est fait décalquer. On s'est fait décalquer. Se dire comme Matt. Mise à terre, ok. Mise à terre 4. Élimination 3. Mort 4. Pas mal pour une première partie, non? C'est une première partie. C'est pas mal. Ouh, il y a des sièges. Ça s'enchaîne en fait. Ah, mais il y a une histoire en fait dans ce truc. Oh la vache. Le clipping de ouf quoi. Le clipping de texture d'herbe. Je supporte pas ce genre de truc. Mais bon, c'est du multi. What the fuck? Non mais comment il est arrivé à... il a réussi à placer. Ok, comment je fais pour récupérer? Je peux récupérer? Ah oui, c'est un bandage. C'est 5. 5 pour le bandage, ok. Hey, on peut pousser les engins de siège? Comment ça marche? Ils se poussent tout seuls? Ah ouais, non, quand je suis à côté, ça pousse automatiquement en fait. Ok, il y a un gars qui okay, arrive. Oulala, là là. Hey, oh 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 oh. On va se le faire. Oh désolé. Putain les gars, je suis désolé. Putain mes potes, non, ils vont me haïr. Ouh, bien joué. Joli. Allez, on pousse. On pousse, on pousse, on pousse. J'ai pas une autre arme que cette merde là. Faut que je change de classe de perso. Toi, ça t'a pas attiré, Gloria Victis? Parce qu'il a l'air chambé comme MMO quoi. Bon, il est encore un peu jeune, mais. Oh putain, il est revenu à la charge lui. Ouh. Putain, ils m'ont pris par derrière. Putain, même dans ce jeu, ils adorent prendre par derrière. Franchement. Ok, faudrait que je regarde les FOV. Voir si on peut pas augmenter le champ de vision, quoi. Ok, lui, il s'est pris un coup par derrière. Ouh, il s'est fait manger. Il s'est mangé. Ah, putain. Eh hey, mais c'est super chaud, faut faire gaffe au coup qu'on donne à ses potes quoi. Désolé mec. Ok, lui c'est bon, mais j'ai tapé un de mes coéquipiers du coup. Mais comment ça, je n'ai que... Putain.
c'est mauvais. Fais-moi. Ouais, je crois, ouais. Je crois que j'ai fait plus de dégâts sur mes potes que sur, sur l'équipe rouge, en fait. Bah, j'ai vu ça il y a 3-4 mois. Donc, oh putain, le bâtard. Donc peut-être qu'il a un peu évolué depuis. That's enough. Mais c'est du full sandbox. Il n'y a rien de mieux pour les MMO, quoi. Du full sandbox. Not good. Yeah. Come on, man! Okay. Putain! Ouh, je m'en suis sorti! J'ai pas de bandage. Ah, mais on récupère de la life! Attends, il y a un truc que je comprends pas. Je suis censé pouvoir. Ah, putain, ouais. En fait. On peut pas esquiver comme on veut. On peut pas faire des roulades comme on veut, quoi. Ah, c'est chaud. Je peux pas faire un bandage là. J'ai pas de bandage. Comment on fait pour récupérer des bandages? Attends, j'ai ça sert à quoi ça? Ça donne des soins, mais nice. Et en deuxième arme, j'ai quoi? J'ai une petite épée qui va peut-être un peu plus vite. Ok. Là, je m'en sors pas trop mal, hein. Oh putain, désolé. Ah vache. Heureusement que j'étais pas chevalier, hein, parce que dans la vraie vie, hein, parce que j'aurais décapité tous mes potes, quoi. Non mais on est ensemble. Ça va pas, non? Yeah. Et du coup maintenant on peut rentrer dans le château? Attends. Alright. Oh putain, je suis désolé. Eh, mais les gars, je suis. Bien joué. C'est nice. Ok, salut. Ok, tu m'as morflé. Attends, du coup, on passe par là? On doit monter par là? Désolé, hein, je. Je lirai après le chat. Putain, y'a blindé de rouge là! Construit, t'as pas de place, tu dois gérer la bouffe, la répartition du staff, résister au siège, renforcer les soldats, je sais pas. Moi ça me plaît. T'as une armure de 80 kg, comment tu veux faire une roulade? On fait des petites esquives, tu vois. On peut faire des petites esquives. Mais c'est vraiment, elles sont vraiment petites en fait, les esquives. C'est un cri de guerre. Ça, c'est un cri de guerre. L'autre, c'était un cri de tortue.
vache. Ah putain, mais le feu là, le feu. Bugger. Je vais mourir. Not happening. Ok. No way. Not happening. My cat. Oh merci, y a un gars qui m'a soigné. Putain, mais barrez-vous. Ok, en fait, on a des couteaux. Combien de couteaux j'ai? Ah, j'en ai pas mal. Oula, il m'a fait mal. Ouh, c'est chaud. Je peux lancer le couteau même avec mon épée normale? Ah non, je lance mon épée normale. Ok, faut pas que je fasse ça en fait. J'ai lancé toutes mes armes. Je peux ramasser une arme? J'ai vendu une arme. J'ai lancé toutes mes armes. Non mais on est ensemble. Attends, filez-moi une arme. J'ai besoin d'une arme. Comment je fais pour ramasser une arme? Aïe. Ouh, putain. Grave, c'est grave vénère. C'est grave vénère. Il y a un jeu comme ça qui était sorti il y a pas longtemps. Putain, mais... Blade. J'ai envie de dire Mournblade, mais c'est pas Mournblade, c'est un jeu de rôle, Mournblade. Mount Blade 2. Et donc t'as de l'escarmouche comme ça en multi. Avec une grosse partie aussi RPG, tactique, stratégie pour conquérir le royaume en fait. Donc c'est un mix. C'est pas que du combat. Mais le combat était fun. Enfin, et fun. Moi j'aime bien. Puis ça change du piou piou piou. I'll do you for that. Oh putain, mais la vache. Ok, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Oh putain. Oh, c'est joli ça. Non, 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 du tout, c'est pas un MMO, juste du multi. Aussi bien Mountain Blade que ça, c'est juste du multi. Mountain Blade, je crois pas que tu puisses jouer en co-op pour la partie campagne. Mais tu dois connaître Mountain Blade, parce que le 1 avait fait pas mal parler de lui à l'époque. Et un coup. Ah putain, il a mis son coup, il s'est barré quoi. C'est bien d'où? Bah il est toujours en accès anticipé là, Mountain Blade 2. Je l'ai testé au moment de sa sortie, mais il y avait pas mal de bugs quand même. Hein. Pardon. Mais il était fun, le multi était fun. Mais t'es con ou quoi? Oh le bâtard, la vache. What? Le gars il m'a mis un gros coup, ça a cassé complètement ma garde en fait. C'est possible de faire ça? En fait tu... Retreat!
J'ai rien fait. C'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Arrête. C'est pas de ma faute. Six mises à terre, deux éliminations, sept morts. En fait, quand il y a beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus compliqué de se positionner. Bon, j'en fais une dernière et puis après... Ouh, putain, il y a des arènes. C'est que dommage, boss. Oh, et je vais être en forme pour ce week-end quand même. Remember the tournaments of old? The ones where the sons of weak lords sparred with wooden sword and blunted lance, while the actual warriors bled in foreign wars for a pride they would not share with us? Show them true pride and real steel for the order! Charge! Putain, l'acting des voix est plutôt cool. Ah putain, mais Eh, mais y a pas de synchronisation verticale dans ce jeu. Je suis dans l'équipe rouge là maintenant? Ok. Je me suis trop avancé. Ah mais oui, je me suis trop avancé. Oh là là, j'ai failli me lancer une partie de Smash Bros ce soir, mais j'avais pas de place sur ma carte d'acquis, j'avais pas envie de... J'ai trop la flemme de changer mes entrées sur OBS. Fallait que je switch ma caméra et tout. Mais j'ai mis en charge les manettes. Ah putain, putain, je me suis pris une grenade directe, quoi. Limite... Bon, faudrait que je teste un peu plus, mais j'ai... Je préfère le système de combat pour l'instant de Mountain Blade 2. Le système de combat ici, il est intéressant, mais... Alors après, c'est peut-être... Ok, il prend du recul. Pourquoi tu me piques, mon gars, là? Bah oui, mais maintenant, tu te retrouves à 2 contre 1, espèce d'Ahmal, bah, putain! Oh, joli! Joli! Je le finis! Putain, mais laissez-le moi, lui, vous êtes dégueulasse, putain! Oh la vache. Non, c'est des joueurs. C'est que du multi là. Alors c'est du PVP pur. PVP pur. Tu peux pas faire d'enchaînement, hein. C'est... Tu pars si... Putain, what the fuck? Je pensais qu'on avait l'avantage, là. Je pensais franchement qu'on avait l'avantage. Ah, je lui ai jeté l'épée. J'ai même pas fait attention. J'ai même pas fait attention. Je lui ai jeté l'épée. Sérieux.
The Battle of Dark Forest. Ah mais il y a pas mal de maps hein. Les forces d'Agatha, on n'a pas le temps de lire, ils mettent... Ils affichent les trucs, il faut 48... Putain, c'est 48, une map de 48 là. Pour le coup. Oh, elle a l'air sympa cette map. L'autre partie, elle est passée vite. We've been ambushed. Defend yourselves quickly. Escort the caravan forward. Attends, je suis dans l'équipe rouge, hein, toujours. Ouh, il m'a mis un bon coup là. Ok, je crois qu'on l'a bien fumé lui. À son tour, voilà. Oh, je l'ai pris par derrière, mais bon, toutes les fois où je me suis fait prendre par derrière. Ah. Yep, ambush. Il est mort comme une merde. Oh, le gars il a même pas fait exprès. Oh oui. Trigger. I am invincible. Ouais, faut pas pousser non plus hein. Oh la vache, oh le bordel. Attends, on m'attaque pas derrière ou quoi? Vache, j'ai pris un coup doux là. Ah, c'est un de mes potes qui m'a filé un coup. Ah oui, il faut pousser ça. Ok. Ah putain. J'arrête de donner des coups à mes potes. Ouh, je l'ai décapité. C'est moi que j'ai décapité? C'est qui ce chevalier? Il a même pas de couleur là. C'est genre un Jedi ou quoi? What the fuck is that? Putain, j'ai pas de bandage. Qui c'est qui peut me healer là? J'ai pas de trompette là? Non. Putain, fuck. Ok, ça pue là. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Oh la vache, il n'y a pas quelqu'un qui veut me heal. Ok, j'ai lancé toutes mes armes. Là, je suis dans la merde. Ok, il me faut une épée. T'as une épée? Merci. Non, j'ai filé un coup de pied. Pas grave. Ok les gars, allez-y, défoncez-le. Mais putain, mais les épées, elles se brisent en fait. J'ai plus d'armes. Oula. Oh, le gars, il m'a eu par derrière, quoi. Aucun mérite. Absolument aucun mérite. Quand tu pars trop tôt, elle se casse. Je crois qu'en fait, c'est le fait de trop parer. De trop parer, au bout d'un moment, les armes se cassent. Ce qui paraît logique dans un sens. Moi aussi, je peux gueuler. Oh, pardon. Un peu trop mangé ce soir. Attends.
Là, l'archer, ça pourrait être pas mal, en fait. Oh, putain. Ouh, la vache. Ouh, la vache. Ouh, la vache. Ok, bah là, c'était mort. Je pense que ça dépend de la classe. Là, j'ai que des armes à deux mains. Et si tu regardes, t'as pas trop de... Y'a pas de bouclier, en fait, dans... chez nous, là. Oula ! Oh la vache ! Ouais, c'est ça, en fait. Quand tu pars, tu restes en parade et qu'il te donne un gros coup, ça détruit ton arme, en fait. Ah, mais genre, mais en fait, peu importe l'arme que tu as, en fait, ça te pète toutes tes armes, parce que j'étais pas avec mon arme principale, là. Waouh, c'est abusé, ça. Ou alors, il y a un truc que j'ai pas compris, mais... Je peux prendre un bouclier. Je peux me faire décapiter, aussi. Je pense que c'est vraiment lié à la classe, en fait. Et du coup... Ouais, je sais pas... je sais pas trop... Attends, mais c'est... Dans cette classe, j'ai des jarres d'huile. Comment je lance les jarres d'huile? Normalement, c'est G. Non? Merde! Là, j'ai lancé mon arme! Putain. Grand tragedy. Attends, comment je fais pour lancer les jarres d'huile? Ok, c'est... Ok, d'accord, je les essaie... Ok. C'est un peu chelou comme truc, là. Ok, faut que je fasse gaffe au feu. Musique épique, quoi. En fait, les jarres d'huile se rechargent au fur et à mesure, quoi. Putain, j'ai aussi zéro bandage, quoi. Allez, j'ai pas fait attention. Ça arrive. Ah putain, même quand tu ripop... What the fuck? Même quand tu ripop, tu récupères pas tes jarres d'huile. Enfin, tes grenades. Forcément, il y en a un autre qui est arrivé. Oh la vache. Ah, c'est assez technique, hein. C'est assez technique. J'ai comme genre, ouais. Bon, allez, derdéder. Minuit 10. Ouais, c'est assez violent. C'est assez violent. Assez jouissif.
Et lorsque tu maîtrises le système de combat, ça doit être vraiment plaisant. Parce que là, en fait, c'est super chelou. Parce que les coups vers le haut, c'est molette vers le haut. Les coups vers le bas, c'est molette vers le bas. Et les coups normaux horizontaux, c'est clic gauche. Et paré, c'est clic droit. C'est super chelou, en fait. Les touches par défaut... Et du coup, ouais, non, non, normalement, c'est que ça, c'est du multi pur. Le jeu, il coûte 30 euros. Et c'est du multi, voilà, c'est des escarmouches comme ça. Avec différentes maps. Ok, faut libérer les prisonniers. En fait, on a des missions à chaque fois différentes, quoi. Là, faut libérer les prisonniers. That's nice. It's cool. Oula. Voilà, allez, on libère les prisonniers. Oh là, je me suis pris un coup là, je me suis pris un coup. Ouh, c'était mauvais. Oh putain, il est venu avec sa hallebarde. Oh. Vas-y, on va retenter le, l'archer. L'archer, c'est un peu bizarre. Et j'ai l'impression que tu peux pas changer de classe de perso autant que tu veux, quoi. Attends, vite fait. Options. Vidéo. Je peux augmenter la FOV. Ouais, on va le mettre à 120. Parce que putain, il faut vraiment avoir un champ de vision assez élargi pour voir. Voilà, bah voilà, putain, bâtard! Ouais, il bouge de trop là. Oh, this is not good. Absolutely good. Ouh. Oh putain le bâtard. Oh putain le bâtard. All of those prisoners have been liberated. Y'a pas de barre de santé des ennemis, ça me trouble. Pourquoi? Bah non, mais c'est trop simple sinon. Voir la barre de santé des ennemis. Ouvrir une brèche dans les grandes portes. Ok, moi je vais essayer de rester un peu à l'écart. Histoire dans les fourrés là, comme ça là. Comme une petite pute. Abandon, retourner au combat avant de mourir. What the fuck? Comment ça j'ai pas abandonné? Ah oui d'accord, faut aller jusqu'à l'objectif quoi. La vache. T'as pas autant de flèches que tu veux, quoi. Il me reste 18 flèches. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est vraiment... Ouh ! C'est vraiment pas évident. Putain, mais en fait, j'essaie de viser un peu au-dessus. Je me dis que la flèche va descendre, mais en fait, non, y a pas besoin. Ah, et même comme ça, putain, c'est hard. Ok, j'en ai eu un. Et de deux. Et de trois. Oh, j'ai plus de munitions. Help, help. Ok, j'ai une épée ou quelque chose? J'ai un couteau de merde.
Ok. Prendre. Ok, je peux prendre un pétard. Ok, il faut qu'on aille ouvrir une brèche là-bas. Allons ouvrir la brèche. Faut que j'arrive à aller jusqu'à là-bas. Non, bah non. Oh putain, attends. Ah putain. Faut arriver, faut atteindre la porte en fait. Il faut atteindre la porte. Ils ont réussi à ouvrir la porte. On n'a même pas vu la porte péter quoi. Fuck. Libérer les prisonniers. Ok, il y a des prisonniers aussi à l'intérieur du fort. Désolé. Archer, c'est vraiment pas évident. Ah putain. Ça se plante dans son bouclier. Ok, comment je fais pour annuler... Pour annuler une... Ok. Oh putain, comment j'ai pu louper ça? Comment j'ai pu louper ça? Aidez-moi Putain. Le gars il s'est dit, oh oulala, un petit archer, je vais le défoncer. Putain, j'ai un petit bras zéro. Oh no way. Attends. Donc je peux... Ouh, je peux faire des flèches enflammées. Bon, bah après, faut savoir viser, hein, mais... Putain, le vrai zéro, il reste pas tout le temps. Ah là là. Désolé. Ah mais vous me mettez devant aussi, hein. Moi je tire, hein. Désolé, mais j'ai un quota. Faut que je l'atteigne. Oh la vache, c'est pas évident. Hein. Oh putain, des munitions. C'est les premiers que tu t'es... Heureusement que tu joues pas contre moi. Oh nice. Ah ouais, je sais pas ce qu'on vient de déposer là, mais. Vas-y, mais je veux des flèches. Oh putain, je peux ramasser les flèches sur le champ de bataille. C'est énorme. Je peux ramasser les flèches sur le champ de bataille. Oula. Oula. Bon, c'est bon à savoir. On peut ramasser les flèches sur le champ de bataille. Du coup, les j'ai même pas vu où étaient les prisonniers. Ok, est-ce qu'on peut pas couper par là? Parce que mon gars, il est motivé, là. Il est grave motivé. Genre, si on les prend par surprise, par là, là. C'était sûr, hein. C'était sûr. Mais il y a moyen de les prendre par surprise. Mis à part le côté ultra répétitif, il a l'air pas mal. Bah, ça reste de l'escarmouche, quoi. C'est
C'est pas le genre de, à mon avis, c'est pas le genre de jeu auquel tu joues 20 heures d'affilée. Ah putain la vache. You're the best. Ok, nice. Comment je fais pour arrêter... Putain, une fois que j'ai enclenché une flèche, je peux pas faire machine arrière, quoi. Oh putain, ils sortent tous de là-bas, là. Ils sortent tous de là-bas. Putain, vas-y, défends-moi! Défends-moi, bordel! Mais défends-moi! Ah, oh, merci, les gars. Putain, j'ai failli crever. Bouton droit pour viser, ouais. Ah, je me suis pris une flèche! Il m'a tiré d'où, le gars, là? Ok, faut pas que je me fasse voir parce que... Ah, fuck! C'est la flèche que je me suis prise tout à l'heure, quoi. Eh putain, on peut pas changer de classe. Comment je fais pour demander... Attends, ah si, je peux faire changer de classe, ok. Vas-y, je vais repasser en mode chevalier. Je sais pas si j'aurai le temps de faire une partie en chevalier, mais... Et franchement, t'apprends à maîtriser l'archer, tu peux faire blinder de dégâts, quoi. Merci mec, tu m'as sauvé la vie. Oh putain. Oh, on a réussi. On a réussi. Oh putain, on en a eu un. Oh putain, lui, espèce de petit bâtard là. Regarde-moi ce petit bâtard là-bas là. Putain, faut juste être bien vigilant à ce qui t'arrive dans le cul et sur les côtés. Ouais, complètement. Mais t'as zéro indication, t'as pas de map, en fait t'as pas de minimap, t'as rien, t'as pas de radar qui te permet de voir un peu ce qu'il y a aux alentours, quoi. Nada. Ok, maintenant faut capturer le pont. T'as vu, je sais pas si t'as vu, j'ai lâché le... Enfin, il y a le teaser de Battlefield 6 qui est tombé. Bon, tu vois pas grand chose, hein, mais il fait quand même 4 minutes, quasiment 5 minutes. Il donne un petit aperçu du in-game. Il est sorti à 16h aujourd'hui. Putain, mais les gars! Oh, joli, 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 joli. Et en fait, la trompette là, ça soigne mes collègues aussi, je crois. En fait, si je lâche ma trompette en plein milieu de mes potes, là, je les soigne, je crois. Ok, je viens de tuer un coéquipier. Désolé. Oh putain, je l'ai pas vu arriver lui. Putain, la trompette a mis du temps. C'est quoi la caisse? Je fais quoi avec la caisse? On peut jeter les caisses, ok. D'accord. Je sais pas à quoi ça sert, mais...
Ah là là, y'a plus personne là, y'a plus personne là. Je suis bloqué. Oh yes, on m'a soigné. Cool. Comment ils sont tombés dessus à deux là? Ah oh, putain, mais c'est. En fait, faut attendre les trompettes avant de. De foncer dans la bataille! Oh putain, j'ai niqué mon pote là. C'est quoi ça? Oh putain, il y a des soins que tu peux ramasser au sol aussi. Il faut vraiment faire attention. Tu viens de me taper toi frère? On est ensemble. Désolé. J'ai cru qu'il y avait un rouge. Ah putain, je me suis retrouvé en tour. Quoi. Ah, c'était pas mal là. Hein. C'était pas mal. J'ai pas de soins de soins là. C'est l'icône là. Oh putain. Ah, je ouais non c'est inversé, j'arrive pas. Bref. Ok, je pense que je m'avance un peu trop là. On va se reculer un peu là. Reach the gate. Ok, ça passe. Où l'archer là, je vais me le faire. Ok, c'est un autre archer. Non, c'est pas un archer lui. Putain, mais vous mettez pas devant moi. Ok, il y a quelqu'un qui veut bien. Ah, je peux faire un petit coup de trompette bientôt là. Il y a pas assez de monde par contre. Yeah, GG! GG! C'est joli! Oh putain, c'est un copain, merde! J'ai tué un copain! Bon, je me suis rattrapé. Ouh, pas mal! Ok, on est pas mal là, non? Oh non, mais putain, mais y a pas grand monde, hein. Y'a pas grand monde, hein. Oh shit! Putain, restez pas à côté de moi comme ça! Ah la vache, putain! Ah putain, il est arrivé par derrière! Ouh! My cunt! Sérieusement? Bien joué les gars. Ah
Oh non! Oh putain, il me change d'équipe! Oh là là! Parce qu'on est en train d'écraser Mason, du coup je suis passé l'équipe rouge quoi. Ça fait grave penser à... au jeu de... auquel on jouait quand on était plus jeune. Counter-Strike, équilibrage des équipes. Unreal Tournament, équilibrage des équipes. Day of Defeat, équilibrage des équipes. What the fuck? What the fuck? Putain, mais je l'ai même pas vu. Je l'ai même pas vu. Moi, ouais, je suis comme ça, moi. Je retourne ma veste pour un oui ou pour un non, moi. Je m'en fous. Je vais au plus offrant, moi. Je suis une petite pute. Oh la vache. Ah ouais, c'est chaud. En haut des remparts, mais ah oui, il y a du monde aussi, ouais, exact, j'avais pas vu. En haut des remparts, il y a du monde. Ouais. Des remparts, par remparts. Putain, la pizza que j'ai bouffée, elle me donne super soif. C'est ouf. Ça va, mec? Tu veux pas attaquer? Ah putain, mais ils arrivent deux là! C'est dégueulasse! Ah putain, les gars! Ah ouais, mais non! La vache! Le gars était tout seul. Puis après, ils sont arrivés à deux. Puis après, ils ont fini à quatre. Bon, rien, tu respawn quoi. Hey, deux secondes là, j'étais en train d'expliquer un truc à mon pote Jedo. Putain. Aucun respect. Hey, mais. Oh, j'ai perdu la tête. J'ai perdu la tête. Putain, et je suis dans le milieu, hein. Je suis pas une sombre merde non plus, hein. Je suis juste une merde un peu claire. What the fuck? Comment il fait pour attaquer aussi vite? Comment il fait pour attaquer aussi vite? Eh hey, mais tu te calmes! Non mais t'as... Hey. Non mais oh! Ça va pas non! Oh putain, y'en a un autre! Aidez-moi! Aidez-moi! Nothing doing. Mais putain! Mais comment tu fais pour être aussi rapide? Comment tu fais pour être aussi... Oh. Putain! Ah. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Tu fais quoi toi? Putain, on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné, bande de pleutres. Joie Saint-Denis. Attends, je vais pas prendre 3 enfermes. Rassure-moi. Je veux pas prendre 3 enfermes.
Attends, on a, j'ai gagné de l'or, 400 or. Non, mais attends, vas-y, vas-y, attends, attends, je veux sortir. Je veux sortir. Nouveauté et info, armurerie, personnalisation. Donc on a 4 classes de base, chevalier, fantassin, avant-garde, archer. Forward. Ok, pour chaque... Pour chaque classe, on peut personnaliser, en fait, son personnage. Donc, il y a des archétypes. Il y en a certains qui sont vraiment dégueulasses. What the fuck is that? Enfin, c'est une erreur de la nature, là, on est d'accord. Mais tu peux quand même choisir la couleur de peau. Ils ont les yeux bien rouges, quand même, hein? Tous. Alors, on va dire que c'est la fatigue. On va dire que c'est la fatigue, hein. Et tu peux quand même jouer une femme. Non, mais attends, le cliché, quoi. Attends. Alors ça, regarde. Regarde, ça, c'est les classes, les métiers des hommes. Astrologue, apprenti, armurier, batelier, boucher, boulanger, brasseur, bûcheron. Le métier des femmes, cuisinière, fabricante de flèches, fauconnier. Oh, ça va. Garde, infirmière, intendante. Messager, nonne, portière, c'est... potière. Souffleur de verre, ça va, tanneur, teinturière. En fait, ils se sont gourés, ça c'est un non-binaire. Là, il est... Enfin, elle ou il est... Le... Enfin, elle sait plus où est-ce qu'elle en est, quoi. Ok. Et du coup, on peut choisir aussi... Ah ouais, on peut débloquer des morceaux d'armure. Donc, on a le casque. Est-ce que c'est juste esthétique ou... Oh putain, ouais. C'est le même système que... Je vois aucune stat. J'ai l'impression que c'est juste esthétique, en fait. Même pour l'armure, en fait. Ah, peut-être. Tu peux choisir, héraldique. C'est comment ça s'appelle ton blason ? Et les armes... Il y a zéro stat. Il y a zéro stat. Il y a zéro stat, quoi. Donc c'est vraiment pure esthétique. Ok. Et forcément, pour avoir les skins, il faut dépenser des sous dans la boutique. Et du coup, tutoriel, recherche, serveur, social, sociaux, message du groupe d'invitation. Si les armes ont des stats, mais tu les vois que en jeu, c'est un peu mal foutu. What? Tu les vois que en jeu? You are graced by my presence. Bon, tu veux faire? Pareil, où est ma fiche de perso? Parce que je suis level 3 Rixulu. J'ai la monnaie qui est là, ça reste très basique. Hein. J'ai pas ma fiche de perso. Avec mon level, y a pas de défi à débloquer, y a pas de... On voit pas le prochain palier de level. Si, 129 XP. Ok. Onward. C'est un peu trop basique. Le combat est sympa, mais le... Enfin, ça m'a l'air d'être un peu trop basique, quoi.
Bah tu te dis qu'une épée fait moins mal et est plus rapide qu'une masse, ce genre de truc, j'imagine. Bah ouais, tu te bases sur les standards, les règles standards du jeu de rôle en fait, du coup. Puis après, bah du ouais, si en jeu t'as les stats des armes, il faut jouer avec chaque arme et du coup... Attends, je vais juste... Je vais pas faire une partie, je vais juste relancer une partie pour... pour voir justement... Attends, mais je peux faire... Ok, je viens de fermer le jeu. Ce n'était pas ça que je voulais faire. Juste pour voir un peu la gueule des stats. Les skins des gueules sont super moches par contre. Ils sont un peu dégueulasses, ouais. Un peu dégueulasse. Les armures sont pas deg. Mais au niveau du combat, enfin Kingdom Come Deliverance, je pense qu'a le meilleur système de combat de médiéval à l'heure actuelle. Très dur, très difficile à maîtriser, mais tellement jouissif. Lui est un peu plus bourrin, un peu plus facile d'accès. Donc je dirais plus arcade. Et entre les deux, on va avoir Mountain Blade 2. Qui n'a pas un système très compliqué comme la Kingdom Come Deliverance, mais qui reste beaucoup plus difficile, je pense, à maîtriser que celui-ci. Par contre, j'aime bien les intros. Du coup. Les intros des... Ok, là, ok. Donc, quand on choisit la classe, en fait, on a accès aux armes. Et on a la portée, la vitesse, les dégâts. L'entaille, ça sert à quoi? Pour dire le type de dégâts? C'est ça, ouais. Ok. C'est super mal foutu. T'as aussi, en fonction de la classe, t'as des stats du coup. Les points de vie, la vitesse de la classe. J'imagine. Et en fait, plus tu level avec la classe, plus tu vas débloquer des classes supérieures. Et j'imagine avec du coup des stats un peu plus élevées quoi. Ouais, ça a l'air d'être ça quoi. Non mais en fait c'est pas un jeu de rôle, c'est juste un skirmish game et pas steak. Mais non mais c'est ça, après le seul... Parce que aujourd'hui dans ce genre de jeu, même si c'est du skirmish ou du battle royale etc, le seul moyen de différencier au niveau de l'équipement, mis à part après le skill du joueur, c'est les armes, justement les stats, soit au niveau des persos, soit au niveau des armes, soit au niveau des armures quoi. Mais là il n'y a que les armes qui ont des stats, les armures n'ont pas de stats, mais tu peux en levelant tes classes améliorer les classes en fait. En tout cas, c'est beaucoup plus facile d'accès. Très facile d'accès. En une heure. Ouais, une heure. Petite heure, tu peux prendre plaisir. Tu passes 2-3 heures. Je pense que 3 bonnes heures, tu maîtrises déjà les mouvements de base. Et très rapidement, en fait, tu peux prendre plaisir. À la manette, ça risque d'être même beaucoup plus simple, en fait. Je pense. Yep, yep, yep. Intéressant. En tout cas, c'est un petit jeu. Excusez-moi. Je l'ai eu avec un bon d'achat Epic. Donc, il était à 35. J'avais un bon d'achat Epic à 10 euros. Donc, je l'ai touché à 25 euros. Pour un petit jeu à 25 euros, c'est plutôt cool. Tu tournes pas assez vite à la manette. Ah, peut-être. Mais là, c'est pas facile à tourner. Hein. T'es... C'est pas un FPS classique. T'es en vue FPS, mais tu... Enfin... Le gars, il tourne pas super rapidement la tête, quoi.
Tu sens que t'as une espèce d'inertie, en fait. C'est à... Ouais, bah, je retesterai peut-être... Ouais. Et... On pourra peut-être tester ce week-end. Hein. Entre deux parties de Smash Bros, peut-être qu'on aura le temps.